Salut tout le monde, et ce sont 13.51 d'Indy 33, 14 km 33.01. Bon alors, il est 6h10 passé, on est en période de vacances, là c'est tiré le diable par la queue, là je crois. Ah ben, je vais essayer, une fois rendu sur le pont d'Aquitaine, de lancer un appel là, pour voir. D'envoyer sur 1351 à tout le monde. Voilà, perso, j'y crois pas trop. Mais qui tente rien, eh bien, ne sait pas. Mais pour une période de vacances, c'est quand même du monde sur la route. Déjà de mon côté, c'est-à-dire à côté de Castillon la Bataille, ça a circulé déjà pas mal. Et les gens qui descendent sur Bordeaux, ça. Je me trompe pas, je débauche à 18h. Ah, ben là aussi, hein, ça sera surprise, surprise. Bon, samedi 29 juillet, rendez-vous au salon de Marraine, à la salle polyvalente de Marraine, pour le salon du REP 17. Comme tous les ans, on a notre stand dessus. Et 73.51, les stations en fréquence de la part de Nindy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Côté circulation, c'est tout cuiro dans les deux sens. Bonne journée à tous. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ah ah! Que ce soit un QRM. De vacances. S'est cassé les oreilles. Je déconne en disant ça parce qu'on assume de dire. Enfin bref, comme disait Pépin. Voilà. Je débauche. C'est bon ça. Putain, les Américains qui passent. C'est bien parti là. Ouais, ouais, ouais. On va peut-être se faire plaisir. On verra bien.
Enfin, que je dis ça, mais je parle pas anglais. Hein. Merde. Zut, je suis pas capable. Waouh. Ah, pour ceux qui découvrent, vous réalisez que là on est en RM. Donc contrairement à ce que certaines personnes disent que l'AM est réservée au local, la preuve que non. Puisque là moi je suis sur le département de la Gironde, donc sud-ouest de France. Là je suis plus précisément à Mérignac, à côté de Bordeaux. J'adore la façon de parler, de s'éclater. Quoi. Alors, c'est le... comment j'appelle ça, ce canal? Powerball? Non, je sais plus. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est quelque chose comme ça, voilà. Bon, on va aller un peu plus loin. Ah, attention, les stations fréquences pour Dundee 33, qui l'on s'appelle. Attention, Yankee 33 ou... zut, de Codéran. Oh bah ça y est, j'ai un trou de mémoire. Attention, senteur pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, le coyote de Codéran. Attention, le coyote de Codéran pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, Yankee 33 pour Dundee 33 qui t'appelle. Bon, la belette, je sais qu'il a vu l'heure, il a forcément débauché. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis Mérignac. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, en QTH Mérignac. Bon,
Bon, je crois qu'il va falloir que je me tape un cuisson avec moi-même, là, pour le coup. Hein. Ah, ça va donner, quoi. En espérant que j'arrive à tomber d'accord avec moi-même. Ah, c'est pas gagné, quoi. Curieux, ça, il y a de la propagande en bas, mais pas en haut. Vu l'heure, je m'attendais à trouver un peu de quelque chose aussi de ce côté-là. Station Centaure ou Labellette pour Dundee 33 qui vous appelle. On ne sait jamais sur un malentendu. Attention Barracuda 56, Barracuda 56 pour Dundee 33 qui t'appelle. Le Roger Bip, en tout cas, lui, il marche bien. Attention, Barracuda 56 pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, Isabelle la Rebelle pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention Isabelle la Rebelle pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention Dolu 33 pour Dundee 33. Ah. Bon, en tout cas, avec le Roger Bip, on sait qu'il y a du monde derrière. Mais quand ça n'a pas envie de parler. Bon, allez. Une petite séance d'anglais. Enfin, j'espère. Oui, alors ici.
sur le canal 11. Voilà, je me mets en condition. Sur le canal 11 FM. Alors déjà au niveau de la France, c'était le canal d'appel de tout début des années 80 avec la première homologation. Déjà ça. Et ouais, je crois que c'est toutes les semaines. Du côté de la côte ouest, ouais, je crois que c'est ça aussi, des États-Unis, il y a une radio qui diffuse en live sur YouTube. Et ben, les auditeurs communiquent avec l'animateur de la radio, Radio FM, Radio Live Internet, pardon, communiquent tous les jours via la CB. Les auditeurs, oui, bon, là, ce que j'ai dit, là, c'est complètement brouillon. Habituellement, les auditeurs, pour appeler des radios locales, prennent le téléphone. Eh bien, là, ils prennent la CB. Voilà, tout simplement. Et donc, oui, alors, je ne sais pas s'ils diffusent en direct, enfin, je veux dire, directement sur les ondes de ce côté, quoique je pense que si. La fréquence, je ne la connais pas, mais ce qui est sûr, c'est que à chaque fois, il fait un direct, un live YouTube. C'est pas mal sympa comme idée. Oui, pour répondre aux éditeurs, prendre la CB, dommage que personne ne fait ça chez nous. Bon, ok, côté réglementation, je sais que c'est. Ça serait. Pourquoi ça serait pas faisable? Tant que la radio ne diffuse pas directement sur la CB, si, ça serait pas mal qu'il y ait une écoute sur un canal, que le message passe partout, et justement pour inviter les gens à venir sur ce canal et discuter avec l'animateur, lui demander les musiques de son choix et tout, ça, tac, de façon à ce que ça soit diffusé après de son côté. Ouais, plus ce petit message perso et tout. Ben que comme ça se faisait autrefois. C'est vrai ça, on n'entend plus trop de demandes de musique et tout, ça particulière, avec une petite dédicace derrière et tout, ça. Ça s'est perdu ça aussi. Ouais. Bon allez. Canal 6, là, on s'anime un peu, là. Ah, zut. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel depuis la rocade coincée dans les bouchons. Tout à l'heure, quand j'ai entendu parler de bouchon, je me suis dit putain, c'est bon ça, je vais passer plus de temps à la CB. C'est vrai, c'est les vacances. C'est vrai. Bon, je sais pas si vous avez vu là, mais là, ça en parle pas mal justement sur le forum d'appel CB francophone. Il y a un nouveau poste président là qui est sorti. Hein. Il est pas mal sympa. Quand on regarde le circuit, ça rappelle le Striker. Ça rappelle aussi le tout nouveau CRT 7009. Oui, 7009V. Ça ressemble un petit peu à tout ça. Ouais. Mais bon, il a une bonne bouille. Tiens, ça a flashé de l'autre côté. Il a une bonne bouille. Alors sa bouille ressemble, pour ceux qui connaissent plus, au Grand 2. Il y a le, je sais plus si je confonds, c'est le Uniden ou le Cobra, je sais plus, qui Uniden, je crois, oui.
qui ressemble aussi, ou plutôt l'inverse. Pour la version Uniden, en version USA, il y a certains modèles que la bande police et tout, sa météo et tout ce qui s'ensuit dedans. Je suis en train de me poser. Ah! J'ai entendu quelqu'un se signaler, les 73-51, station d'Indy 33. Vol 13, de l'opérateur Benoît, sur Bruges. Benoît de Bruges. Ok, les 73-51 de d'Indy 33, Rémi, au 14 km 33-01. Voilà, du forum de la planète Sibi francophone. Et en ce moment, bah, dans les bouchons, je suis où j'ai pas de sortie là à proximité. Bon, je dois être en. J'ai attrapé la sortie. À Mérignac, et je vais en direction du pont d'Aquitaine. Alors, j'ai aperçu un panneau devant moi, il est un peu petit, c'est un peu loin là. Ah, ouais, ça passe très fort, hein. 95. Ah, bah oui, ça m'étonne pas, quoi. Ça m'étonne pas, on n'est pas si loin que ça. Hein. J'ai un camion qui me cache. Alors c'est quoi ça? C'est là la sortie 4 quelque chose, il y a une lettre à côté. 4A, 4B. Eh oui. Ah, je suis trois coups. Alors, c'est la sortie Stade Atlantique, parc des expositions, voilà, Bordeaux-Lac. Eh bien, c'est la 4A. Ah, mais j'ai avancé si vite que ça, moi, malgré les bouchons. Ah, je suis bleu, ouais. Je crois que c'est la première fois qu'on s'attrape en fréquence, non? Alors, deuxième ou troisième fois, je pense. Je t'avais demandé des renseignements sur un micro, pour mon Lincoln 2. Désolé, mes excuses pour le gruyère que j'ai à la place du cerveau. Ok, d'accord. ouais, c'est vrai que c'est pas évident hein, sur Lincoln 2 là, de mettre un micro préampli, un truc comme ça, vu le branchement qu'il y a. Eh bien, tiens, là récemment, on a discuté là, avec SAV Radio 33. J'ai été bossé là sur Martignas. Je me suis dit, je peux pas repartir sans aller lui dire bonjour. Et puis on a parlé un petit peu justement de Lincoln 2 justement par rapport à ça. Oui, parce que moi j'ai un vieux micro, un C2018, et j'aimerais bien le brancher, mais je suis pas très doué en soudure. Ah oui, effectivement, oui. Alors j'ai un vieux pan MDC. C'est aussi, je crois, 2018. Hein. Oui. C'est trop, c'est le même micro. Je l'avais branché justement là sur mon Nikon 2. Bah, c'est celui avec lequel tu m'entends là en ce moment. Hein. Et dès que j'appuie ou je relâchais la pédale du micro, bah, je me retrouvais sur le canal d'à côté. Alors c'est ballot pour écouter la station. Hein. Oui, mais je pense que je vais réessayer, mais en supprimant, en essayant de chanter tout ce qui est monté ou descente de canon. Je pense qu'il n'y a que ça à supprimer, oui, monter et descente. D'accord, au niveau du poste lui-même alors, parce que c'est là, au niveau. Mais là, faut être bon quand même, là. C'est. Quoique si t'en parles, t'es certainement bon en électronique, hein. Moi j'y connais rien. Hein. C'est. Ouais. C'est. Oui, effectivement, oui. Mais bon, ça, il faut le faire à tête reposée, sans enfant à côté et un petit peu concentré, je pense. Ouais, et surtout pas l'XYL à côté. je dis ça parce que j'ai le chic, moi, avec ça, moi. C'est au QRA, quand je suis en train de travailler sur le PC, que ce soit sur le forum, mes vidéos ou sur les réseaux sociaux, et qu'elle vient me parler, la connerie elle est pas loin. Et puis ça rate pas. J'ai beau lui dire, je suis pas multitâche, mais non, ça fait rien quoi.
elle doit prendre plaisir à chaque fois à venir me parler au moment où je suis pris. Quoique je la comprends aussi, je suis tout le temps pris. Donc forcément, à un moment donné, ça coince. Ah, t'es toujours là ? Ah, il y a eu un couac apparemment. Ah, il y a une. Je ne sais pas ce qui s'est passé de ton côté. Je viens de vérifier. Bon, je suis toujours sur le 19. Ok, c'est bon de mon côté, ça va. Ça, alors deux solutions. Soit il y a quelqu'un, un gamin ou je sais pas, qui est venu te trouver, ou alors une connerie, un fusible, une connerie comme ça au niveau du poste. Ah zut, c'est pas lourd que ça se termine comme ça, en espérant que ça s'arrange de ton côté, en espérant que tout aille bien, même mieux de ton côté. Bon, ben, si tu es toujours derrière la station et que tu peux pas prendre le micro pour X raisons, je reste en stand-by là derrière. Je suis là, ben, je suis à 200 mètres de la sortie 4, j'ai le pont d'Aquitaine en ligne de mire. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dindy 33 depuis le haut du point d'Aquitaine. Alors côté circulation, eh bien il y a du monde. Je ne suis pas tout seul, je ne m'ennuie pas au moins sur la route. Oh, j'ai entendu quelqu'un très très QRP, je dis ça parce qu'il y a énormément de QRM dans ce point d'Aquitaine. Les 73-51 retournés, ça y est, j'arrive de l'autre côté du pont d'Aquitaine. Et il m'aurait fallu une armada là, de filtres, plus un haut-parleur DSP. Et bien du coup, je suis pas allé. Écoutez là. Ouais. J'aime quand c'est vivant comme ça. Ouais. Ça manque de chambre d'écho. Il faut que j'en rajoute dans la vidéo. Alors le logiciel que j'utilise pour le montage vidéo, c'est VideoFad. C'est un vrai couteau suisse. Bon, c'est un logiciel pro, donc payant. Mais il est super. Je suis normalement sous Linux, mais je n'ai pas trouvé d'équivalent. Hello, John.
73 for Dundee 23. Bang, bang, bang! Bon, ça passe plus. La voiture sur la remorque avec Tintin là, de pain sur la portière. CQ des X, appel de 14 km, 33 01 par Interrémy, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, la Gironde. Bien tenté de tenter, mais je vais arriver en plein d'AQRM. Ça commence à monter là déjà. Donc, vous voyez qu'il y a quand même du monde.
ça passe. J'ai les tympans là qui... Ça devient de la gourmandise là. Bing, bing, bing! J'aimerais bien comprendre ce qu'ils disent. Vu la façon de parler, ça ne doit pas être triste. Ça doit être verbalement un ring.
y a la grosse puissance derrière. Hein. Bon, ok, la propagella. Ça, c'est sûr. Mais ça envoie la pâtée derrière aussi. Ah, au Québec, tous les jours, ils les entendent. C'est leur quotidien, ça. C'est leur quotidien, ça, au Québec. Eh oui, ils sont frontaliers. En France, on pourrait se poser la question. En France, quand il y en a qui s'amusent, c'est obligatoirement sur, sur le 555, le 12 sup. C'est n'importe quoi. On pourrait prendre exemple sur eux, comme les Italiens, ils ne foutent pas le bordel sur les fréquences d'appel. Ils ont leur propre canal. Et là, ils vont ceux qui ont envie d'y aller, et puis c'est tout. Mais ils sont sur leur propre canal, ils dérangent personne. Ouais. Comment ça passe là? Eh bien là, il n'y a rien. Vous comprenez quelque chose, vous? La propag reste bloquée sur le bas de 27 mégas. C'est maintenant à cette heure-ci là que ça monte. Mais tout en restant bloqué sur le bas du 27 mégas.
moment donné, il faut quand même se décider à l'arrêter, cette vidéo. Ce punch qu'ils ont. La vache, ce punch qu'ils ont. Allez, je saute sur l'occasion. Les 73, ça va tous.